tous, c'est Missel Sprint. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce coffret collection de Galar avec l'Arméléon. Alors j'en ai pris qu'un seul sur les trois, parce que c'est surtout au niveau des promos, hein, comme c'était quasiment les mêmes, j'en ai pris qu'un seul. Et je voulais absolument celle avec Zacian. Alors je vous montre l'arrière. L'Arméléon et ses amis arrivent de Galar. On va s'ouvrir ça tout de suite. C'est ouvert. Alors, c'est bien, nous ont encore mis l'ouverture assez bien protégée. Alors, pour les cartes, on commence avec le petit Flambino. Alors lui, c'est vraiment mon starter préféré. Suivi de peu avec le Larméléon. Hein. J'aime beaucoup son évolution. L'effet holographique me plaît vraiment bien. J'aime énormément ces cartes. Alors, je ne savais pas par contre que seule la carte correspondant au coffret était la promo. Hein. Les autres sont numérotées, donc 31 sur 202. Et la Wistempo. Cependant, c'est pas pour ça que j'irai acheter les deux autres coffrets. Alors, nous avons aussi la magnifique Zacian V en jumbo. Vraiment superbe carte, j'aime beaucoup le design. J'ai vu pas mal d'ouvertures de la nouvelle extension en japonais et franchement, je surkiffe. On va mettre ça par là. Nous avons aussi un petit jeton, un pins plutôt. Ouais, il est joli, j'aime bien. Alors l'Arméléon, je viens de l'avoir en shiny dans le jeu, hein, je suis très contente. Je l'ai eu avec très peu d'offres, en plus j'ai eu un gros coup de bol. Je vais mettre ça là. Nous avons deux éclipses cosmiques et un duo de choc et évolution. Je suis en train de regarder les boosters là. Il est décalé non celui-là? Il a un petit bug. Ouais, il est carrément décalé. Bah, je l'ouvrirai en dernier celui-ci. Selon la pioche, ça se trouve, je le garderai scellé, ça peut être pas mal. On va commencer par évolution. Au niveau du zoom, on est pas mal. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose en arrière-plan parce que ça fait un peu vide là. J'ai pas encore reçu mes objets de d'épée bouclier donc je peux pas mettre grand-chose en décor. J'aime bien mettre une petite peluche, tout ça pour la miniature, mais là j'ai pas encore. Hein. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé ça en commentaire pourquoi je mettais une peluche et si c'était. C'était avec le coffret, bah non, absolument pas, c'est juste que j'aime bien mettre ça dans ma miniature. 1, 2, 3. Alors, on commence avec Magmar. Potion. Pokédex. Soporifique. Chenipan. Fantominus, Topicœur, Salamèche, Magneton en reverse et Staros en rare. En plus, pour ma part, j'ai plus rien dedans depuis un moment. Et on enchaîne avec du haut de choc. Ensuite, je l'ouvre mal. Une énergie haut. Titli. Timoclès. Jolie celle-là, je crois que je l'avais pas.
Me dit rien du tout. Perceuse dangereuse, grain dur, roucoups, salamèche, starry, flamiaou, miaous en reverse et oh bah, staros en rare. On enchaîne avec le booster Tiplouf et Tortank. J'ai l'impression qu'elle a un méchant pet la dernière carte. Même pas, je sais pas, il y a du bleu dessus. Allez, énergie ténèbres. Tout doudou. Joli fond. Nemelios. Ekaïd. Togedemaru. Cracnois. Fla bébé, sac de nœuds, Skelenox, Dimouri en reverse. Et donc c'est une holographique. Très joli, Noctunoir en holo. Pète, elle a l'air d'être décalée, fallait pas. Bon coup, je préfère que ce soit une holo qu'une ultra celle-là. Hein. On est déjà au dernier. Je vous cache pas que j'hésite beaucoup à l'ouvrir celui-là hein, quand même. On va bien le regarder. Ouais, donc là, normalement, l'écriture, elle a pas à venir ici. Hein. Il est décalé sur la gauche. Donc, bon, je pense que je vais l'ouvrir quand même. Et c'est la première fois que je tombe sur un booster bug comme ça. Après, j'hésite parce que vu qu'on n'a pas grand chose en pioche, ça se trouve, il n'y aura rien dedans. Mais bon. Oui, il y aura bien, puis au pire, tant pis, hein, c'est pas grave. Il est bien collé en tout cas. J'essaie de pas le défoncer. Ça décolle très bien. Je vais le garder celui-là. Les cartes. On les rend en bon état. C'est ça qui m'inquiétait le plus en fait. Alors, énergie psy. Vibranymph. Tarinorme. Tout doudou. Sac de nœuds. Evoli. Skelenox. Tritonde, Fla bébé. Ah bah génial, bah j'ai bien fait de l'ouvrir. Le Dimouré en secret que je n'ai pas, donc j'ai aucun regret pour le coup. Très belle carte. Et derrière, Crapustule en rare. Non bah du coup je regrette absolument pas parce que j'avais pas cette carte. Je manipule ça comme si c'était un booster qui avait 20 ans. Hein, c'est pas mal comme expérience, j'aime bien. Alors, donc on n'a pas eu grand chose, hein, c'est pas un coffret de fou furieux, mais bon, on a quand même eu une petite carte secrète et une holo. Je vous remontre les promos. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Sur ce, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Je souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut!